L'âge n'a pas d'importance pour Harry Styles et Olivia Wilde. Lui a 26 ans, elle en a 36. 10 années séparent les deux tourtereaux. Mais cela ne les empêche visiblement pas de vivre pleinement leur histoire d'amour. Ces derniers ont officialisé leur relation le premier week-end de janvier lors du mariage de Jeffrey Zoff, l'âge du chanteur. Page 6 a dévoilé en exclusivité des photos du jeune couple, main dans la main. Ce jour-là, le chanteur aurait présenté la jeune femme comme sa petite amie. Olivia Wilde sort d'une longue relation avec Jason Sudeikis, qui est aussi le père de ses deux enfants. Et il s'agit de sa première sortie officielle avec un homme depuis celle-ci. Une source a fait savoir à People qu'il était tombé sous le charme l'un de l'autre sur le tournage de Don't Worry Darling, dont la sortie est prévue pour en 2021. D'ailleurs, si est Olivia Wilde, elle est la réalisatrice du film, qui a décidé de recruter l'ex-membre des One Direction, comme elle l'avait déclaré dans Vogue, après avoir vu sa performance dans Dunkerque. Et entre eux, le courant serait immédiatement passé. Harry Styles et Olivia Wilde en couple depuis plusieurs semaines selon une source proche des deux stars ont d'abord tissé de véritables liens d'amitié avant de ressentir des sentiments amoureux. L'actrice semble avoir réparé le cœur d'Harry Styles, brisé depuis sa dernière rupture amoureuse. Tout le monde l'a vu venir. Durant les pauses, il ne pouvait rester loin d'elle et allait constamment lui rendre visite dans sa caravane, a-t-elle précisé. Selon celle-ci, cela fait plusieurs semaines qu'ils vivent une histoire d'amour. Olivia Wilde avait déjà pris la défense d'Harry Styles lorsque celui-ci faisait l'objet d'une polémique après avoir porté une robe. Elle avait déclaré, « J'espère que cette confiance qu'il a, qui se détache de toute masculinité toxique, est le symbole de sa génération et qu'il en sera ainsi dans le futur. »